assez venteux, assez difficile par le parcours. Je suis heureux de ma performance quand même. C'est une médaille, c'est pas négligeable, un podium comme ça à ce niveau. C'est une bonne préparation pour le championnat du monde qui sera le vrai objectif de fin de saison sur un parcours qui me convient beaucoup mieux. Mais bon, je suis quand même satisfait de ma performance. Comment vous l'avez géré ce chrono ? Je suis parti assez prudemment, même si j'ai bien roulé sur le début, sur les parties roulantes qui me convenaient bien. J'étais deuxième à l'intermédiaire. Et puis après, j'ai perdu du temps sur la dernière difficulté, tout ça. Donc, mais je suis confiant pour la suite et c'est une bonne performance. Comment se passe cette année pour vous ? Cette année ? Bah, cette année, ça s'est bien passé pour moi. Je signe un contrat professionnel avec l'équipe ETX Quickstep l'année prochaine pour 2 ans. Donc c'est vraiment une super année pour moi avec des super résultats que j'ai fait cette saison. J'ai gagné quelques courses, j'ai gagné 6 courses, donc 6 classes 2, 6 courses professionnelles. Donc je suis quand même satisfait. Mais bon, la saison n'est pas finie et j'ai encore d'autres objectifs en fin de saison, comme les championnats du monde par exemple, qui sera l'objectif central. Vous avez préparé comment ? J'ai une course avec mon équipe là, de 4 jours en Hollande là, avec un chrono individuel, un chrono par équipe. C'est là où je vais vraiment préparer ça correctement et on verra bien au championnat du monde ce qui va se passer.